Et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Castle Story en multijoueur, toujours avec Katox. Bonsoir Katox. Salut. Et du coup, on continue notre nouvelle partie, plus une nouvelle. Et nos petits travaux avancent. Donc on va attendre cette fois qu'ils aient construit le mur avant de leur donner l'ordre de construire la porte. Je pense. Ça me l'avis, tu gagneras quelque chose. Ouais, je pense que ce sera plus utile. Bon, cette fois au moins j'ai des armes et ça c'est cool. Par contre, j'ai l'impression qu'il me manque un chapeau d'archer. Et ça c'est un peu triste. Donc on va en demander un autre. D'ailleurs, on va demander juste 3 archers, ce sera bien assez. On a plus de quoi, c'est ça que vous me dites? Alors au niveau fer, on est un peu dans le mal visiblement. Pourtant, il y en a encore un petit peu à ramasser, donc ça va. Ça me stresse quand il dit qu'il y a 4 mecs qui font rien. En fait, ils font pas rien, ils sont en train de porter ou des trucs du genre quoi. Ils sont juste pas sur une tâche. Ici, est-ce qu'on peut demander un petit truc de soin. Ce serait cool un petit truc de soin. Utile. Alors oui, j'en profite, je précise quand même. Étant donné qu'on enchaîne en général 3 ou 4 épisodes d'un coup quand on tourne, parce que sinon c'est pas gérable de se retrouver, les noms que vous nous aurez donnés apparaîtront dans quelques épisodes. Je suis désolé d'avance pour le temps de latence, mais c'est la contrainte du multi. Comme disait le Fier Tips à propos de ces modos, la règle numéro 1, c'est comme ça et puis c'est tout. C'est ça, voilà, exactement. Si vous n'êtes pas content, eh ben c'est bien triste pour vous. Et votre demande a été prise en compte. Le temps, délai d'attente est actuellement indisponible. C'est ça, mais il y en a un. Il y Mais en a ça un, oui. viendra. Mais ça viendra. Ça Un viendra, ça jour. viendra. Est-ce que c'est assez proche ici? Oui, c'est assez proche, c'est cool. Hop. En avant. Ah, j'ai oublié de faire des lanternes. Diantre. Fichtre. Fichtre diantre même. Ouh, tout ça. Disons-le. Il faut quoi pour faire ce truc? Un textile. Ouais, normalement on a ce qu'il faut. Faut juste que Horizon se bouge le fion. Ouais, je sais pas ce qu'il fout. Attendre qu'il recalcule son trajet. Bon, on a plein de caillasses, ça c'est quand même plutôt sympathique. Est-ce qu'on pourrait pas dire mettre une priorité un chouïa plus élevée sur bâtir? Histoire de liquider notre stock de pierres. Parce que c'est vrai que ça fait un petit peu loin pour travailler et trimballer les cailloux, mais quand même. Alors sinon, au niveau des ressources, ouais, il nous manque du fer et du soufre, hein, globalement. Oula, petit lag. J'ai bien envie d'aller piller sans vergogne les mines qui traînent à droite à gauche, là. En trouver une de fer, ce serait cool. Là, une là. Hop là. Parce que les carrières, c'est pour les noobs qui savent pas se balader sans la carte. C'est bien connu. Mais par contre, mes briquetons restent bloqués, c'est un peu triste. Ils restent là à rien faire. On a assez de palettes pourtant. J'ai pas donné de spécialisation, donc ils peuvent tout à fait aller les poser, voilà. Faut juste qu'ils s'y mettent. C'est tout. Ah, mais Plug, ça doit être, oui, c'est celui qui est assigné à la carrière. Je sais pas ce qu'il foutait bugué là, mais il était bugué. On n'a pas beaucoup de textile, on va en recommander un peu pour avoir du rab.
coûte la peau du 1 de faire des de faire un Des équipement quoi? de clair. Hein. Ah oui, bah en même temps, c'est un truc. C'est ce qu'on appelle un équipement lourd. Ouais, oui, c'est pas un... C'est. Il est puissant, quoi. Ah oui, il est plutôt powerful. On est d'accord. D'ailleurs, je vais en faire un aussi. Besoin de deux textiles. Alors ici, on va utiliser cette... Ouais, quoi que non, on va en faire une autre en fait. Je n'avais pas fait une autre, mais putain, mais j'en avais complètement fait une autre. C'est bien ce qui me semblait. Donc celle-là, elle va faire du cristal. Ou du verre, plus précisément. Donc, il va nous falloir du verre. C'est moi, t'as les pieds dedans le truc. Ah non, ok, juste il fait rien. T'es juste nul. Ouais, j'ai l'impression qu'il bug un peu mes briquetrons là. Ça fait le troisième qui est debout là, qui bouge pas quoi. Faut que je le sélectionne et que je lui dise d'aller quelque part. Mais parfois ils ont des petits temps de latence sur le calcul de quoi faire. Ah, c'est déjà dans 30 secondes la prochaine vague et j'ai toujours pas de lanterne, c'est triste. Bon, de toute façon, on sait qu'ils vont plus ou moins arriver par là, puisqu'il y a que là qui peuvent arriver. Donc, je sais pas pourquoi ils vont chercher du bois chez toi alors qu'il y en a chez moi, quoi. Je crois que l'intelligence artificielle va chercher les ressources d'abord au plus loin et puis ensuite au plus proche. Surtout dans ces cas-ci. Ah, tu penses? Ouais, c'est pas Bah, impossible. ce serait logique de le coder comme ça, parce que sinon, si tu fais une extraction lointaine, elle est prise en dernier lieu, alors que finalement, c'est elle qui aurait priorité quand il n'y a rien qui se passe. Alors, ouh, ça a popé carrément de ton côté, j'ai l'impression cette fois. Ouais. Aux armes. J'ai vaguement vu les yeux. Ouais, ils arrivent. Tes tours ne J'ai pas eu le tirent temps de. pas. Mais j'ai pas eu le temps de les brancher en fait. Ah merde. J'envoie des troupes, même si je vois absolument pas où je clique. Pourquoi je peux pas sélectionner tout le groupe? Fais chier. Je vais sélectionner tout ce putain de groupe. Bon, parce qu'on va déjà en envoyer deux, faute de mieux. Vous aussi, les gars? Putain, mais non, ça bug complètement. Hein. La sélection, là, bug complètement, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, on est arrivé à temps, c'est tout ce qui compte. Oh. Je sais pas si tu vois la vie de mon Briltron. Ah oui, Python, il était un peu dans le mal, Ah, il était ouais. voilà. Il était un peu piteux. Ouf, ouf. Alors là, c'est de mon niveau. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Des parties en D'accord, multijoueur avec les gens, c'est le drame. c'est de mon niveau quand je sais pas quand je suis cul de jatte et que j'ai la grippe quoi. T'as pas dormi depuis 3 jours, quoi. Voilà, et je me suis pas rasé. Ça n'influence en rien, mais c'est sympa de le dire quand même. Mais quand même, on sait jamais sur un malentendu. Alors, où est-ce qu'ils vont tous avec... Putain, mais rien de moi ça. Je leur ai demandé de faire une porte, il y a besoin d'une planche, mais ils y vont à 3 avec 20 planches sur le dos, quoi. C'est ouf. La Il y porte, ça les a rend fous, la porte. Hein. des gens qui font pareil chez nous, hein, on appelle ça des ouvriers communaux. Ouais, mais ils construisent pas beaucoup de portes quand même. Oh, tu seras surpris. Bon, on a une dèche de soufre assez dramatique par contre. Enfin, il récolte quand même, il récolte, ça c'est le principal. Est-ce qu'on a des lingots de fer? Oui, on a quelques lingots de fer. Donc on va pouvoir faire notre porte. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc là voilà, il y a des mecs qui se pointent. On a 6 lingots de fer, bah il y a 3 mecs qui se pointent et ils se barrent avec les 6 lingots de fer pour qu'on sorte la porte. Normal. Classique. Par contre, ouais, c'est le soufre qui manque, hein, quand même. C'est dommage que dans le truc de stock là en haut, on voit pas combien on a de lanternes en stock et tout, de quel type. Ça dépend. Si elles sont en stock, normalement tu le vois, non? Bah non, moi par exemple, là il faut que j'aille sur les palettes, je vois qu'elles sont là quoi, mais je les ai pas dans l'interface en haut.
À moins qu'il y ait moyen d'afficher. Non, pas moyen d'afficher. Voilà, mes tourelles sont branchées. Alors, on commence à avoir des lanternes, ça c'est cool. Donc, on va foutre une petite lanterne ici. Petite lanterne ici. Et une en haut pour commencer, ce sera pas mal déjà. Hop, voilà. Par contre, il faut vraiment que je fasse d'autres tâches pour bâtir, histoire de diversifier un peu. Il va peut-être nous falloir d'ailleurs une autre tâche de carrière, hein, histoire de ramasser un peu plus de ressources. Il va falloir une tâche de récolte. Hop. Je pense qu'on va faire une carrière dans le coin. Oui, j'ai cliqué, tout à fait, je sais, c'est pas naturel. Mais... Hop là, c'est parti. Voilà, ça en fera deux pour les mecs qui glandent. Ça leur fera les jambes, comme on dit. Bon, moi, je leur ai demandé de poser des tours, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore assimilé, on va dire. Ça prend du temps. Faut pas trop les brusquer. Ah, on a un stock de lanternes. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir en mettre un peu là sur le chemin parce que pour l'instant, autant dire qu'on voit que dalle. Ok, ça c'est fait. On va en redemander quelques autres. Hop. Et non, hop, ça, on va demander un peu d'engrenage pour avoir des trucs un petit peu plus avancés encore. Ah, on peut invoquer quelqu'un, j'avais pas fait gaffe, pardon. Bienvenue Ben Mimi. Bon, je pense qu'au niveau armée, on est pas mal. On commence à s'en sortir. Encore faut-il bon, réussir à les sélectionner. Mais... On commence à trimballer nos lanternes, donc on va bientôt y voir quelque chose. Voilà, parfait. Un petit peu de lumière dans ce monde de brut. Dans ce monde d'obscurité totale. C'est ça. Alors moi je pense aux lumières et toi tu penses aux défenses. Hein. On voit bien les priorités. Quoi. T'es pas trop, on meurt. Ah oui, mais grâce à moi, ça se voit. On meurt en pleine lumière au moins. On meurt dans la lumière. Oui, ça... On peut... Est-ce qu'on peut juste éviter de mourir comme chez le voisin? Non. Voilà, on leur donne des trucs et tout, et après ils veulent le bras, quoi. C'est ça, les mecs qui se plaignent. Insupportable. Ces gens-là, franchement, honteux. Et en fait, c'est cool du coup, quand on invoque un nouveau Brictron, les âmes des Corruptrons disparaissent. Oui, est-ce que ça se font petit à petit? En fait, plus tu vas tuer de Corruptrons, plus ça va t'aider à recruter de la population jusqu'à ton maximum de population. Ça c'est cool, c'est sympathique en tout cas. Ici on va faire quelques petites tourelles de défense encore en rab. Et on va se lancer dans une manufacture. Il faut quoi pour une manufacture? On sait pas.
6 planches, 2 comme ça, 2 comme ça, ok, très bien. Pour l'instant, on manque un peu de ressources, de mines, dirons-nous, mais ça viendra. Ouais, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un mur là, c'est cool. Allez, encore 1 minute avant la vague. Vous avez peut-être le temps d'avancer encore un peu le mur et de faire des parapets. Alors non, ça par contre ça me va pas, ça. Il y a une couille. Il y a une couille dans le pâté ici. Alors on va faire une, non, on va faire une nouvelle tâche. C'est où? Tunnel, ménage, récolte, réparation, construction. Voilà. Hop. Cette tâche au max, s'il vous plaît. Je veux plus qu'il y ait des gens qui passent par là parce que c'est débile. C'est débile. Après, la question qui se posera, c'est est-ce que les corruptrons peuvent casser, enfin casseront ce truc-là, tiens, ce sera un test intéressant. Allez, prochaine vague. C'est parti. Aux armes, les gens. Ah, je crois qu'ils ont popé de près de chez toi. Je les ai pendant un très court instant vus. Ouais, ils arrivent aux portes là. Bon. Voilà. Je peux toujours pas les sélectionner avec le menu, donc on va les envoyer à la main. C'est propre. Une bonne chose de faite. Ça me fera ma première ligne de défense, ça c'est bien. Je vais faire, je disais la grande longueur, faire une ligne de défense un peu plus élaborée. Ouais, du coup c'est toi qui as pris les âmes par contre, et ça c'est triste. Eh oui, je suis un voleur d'âmes. Bah, je pense qu'ils vont venir vers toi en fait à chaque fois parce que du coup c'est toi qui tires dessus donc. Ils font le tueur. C'est sûr que si je comprenais pourquoi je peux pas sélectionner les briquetrons, ça irait un peu plus vite de les envoyer quoi. Bien, bien, bien. Du coup. Ouais, on va attendre de voir un peu plus clair pour recommencer à faire des murs parce que pour l'instant. C'est quoi cette tâche là? Pourquoi une tâche de bâtir ici? Y'a rien à bâtir ici, c'est quoi ce délire? Ils ont fumé la moquette les mecs. Toi t'es coincé? Non, t'es pas coincé. Ok, on y voit un peu plus clair ici, on y voit clair là, on y voit un peu plus clair là, il faudrait une autre lanterne dans le coin. Pof. Ici, il me semblait que j'en avais mis une, mais ils doivent se traîner. Alors, ça, c'est pas encore terminé. Il faut des lingots de verre, et on en a peau. On a peau de lingots de verre. De sauvegarde, non, je sais pas, ça. C'est pas un petit. Ils se sont mis à courir sur place chez moi. Ouais, j'ai aussi un petit moment, un petit lag.
Va savoir. Va savoir. Normalement, il y a ce qu'il faut là. Mais... Ah, mais putain, mais ça a bugué. J'ai dû foirer. Je voulais mettre une fournaise en automatique et visiblement, bah, ça n'a pas marché. Ça arrive. C'est bien dommage. Désactiver la pierre, cette carrière, parce que j'en ai beaucoup trop. Je vais centrer sur le soufre, parce que je n'en ai plus du tout. Alors ici, on commence à y voir quelque chose. On pourrait commencer à faire des petits trucs un peu sympas. Genre, ouais, je pense qu'on va se concentrer ici, en fait. On va faire une nouvelle tâche, déjà. Voilà, ce sera mieux. Donc il va nous falloir des mortaises. Ah bah c'est un peu plus classe quand c'est allumé tout de suite. C'est au-dessus de la porte, ça, putain. Fais chier. Oula, je me suis foiré. Hop, 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 hop. Ouais, du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des piliers de chaque côté de la porte. Hop. D'ailleurs, on va peut-être pas s'emmerder. Et on va foutre des T directement. Hop, hop, et hop. Voilà, ça on pourra mettre des poutres dans tous les sens. Des poutres partout. Eh oui, c'est bien les poutres. Alors, ici j'en voudrais une de plus, on verra après. On verra plus tard. On va faire les piliers, non, on va faire les mortaises d'abord. Hop. Hop. Ça c'est du thé qu'il me faut ici. Hop. Bah oui, non, je suis con, faut que je l'éloigne d'un. Ouais. Hop, 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 voilà. C'est bien ça. Ça commence à... On sent que je commence à maîtriser l'outil, quoi. Bah, il se maîtrise encore assez facilement, je trouve. Alors, je ne te permettrai pas de me critiquer. Pratique. Hop. Hop. Ah, toi niveau zone de soins, ça déconne zéro. Ouais, bah non, mais la dernière fois j'en ai perdu, alors du coup maintenant je fais gaffe, quoi. Oula, putain, ça c'est... Alors cette construction, c'est pas ma faute, hein, y a eu un lag. Je vous jure, c'est pas moi. Donc là, ils arriveront à accéder à la porte, au pire on creusera un peu. Hein. D'ailleurs, on va voir si on peut pas leur demander d'enlever des blocs là, genre ici. Genre là et là, genre là, là et là. Voilà. Puis on fera des escaliers un peu plus propres. Pour les puristes. Allez, on va faire ça déjà. Parce que je sais pas si mes balises seront à portée de tes trucs pour leur tirer dans le dos, je suis pas sûr. Hein. Non, c'est un peu juste. Un petit peu juste. Mais là, je fais mon deuxième mur de défense, puis après, je pense que je passerai sur un... Allez, je passerai sur un...
sur un mur plus à l'extérieur. Ici, on va aplanir un peu aussi. Hop, 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 hop. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode qui a déjà bien assez duré. J'espère du coup que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.